Amis de la montagne, content de vous retrouver à nouveau dans le village de la montagne. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur Medieval Dynasty. Est-ce que devient notre ami Rassimir qui est là, qui prend de l'âge, mais qui continue à travailler dans ce beau village qu'il a fondé dans la montagne. Voilà, je profite de ce petit épisode puisque vous l'avez vu, il y a l'événement hiver qui est arrivé et avec en même temps la mise à jour 1.5.0.04 qui amène quelques petites nouveautés qu'on va pouvoir vous faire tout de suite. Je peux vous en faire une tout de suite d'ailleurs, regardez. Voilà, vous voyez, au bout d'un moment, il crie, je lui fais mal, je veux passer, il aime pas, donc du coup, il crie, voilà, ça c'est une petite nouveauté, voilà. D'ailleurs, il m'a confié une petite mission, je sais pas si on aura le temps de le faire, il va aller se promener dans la montagne, donc il faut que j'attende demain matin, et là, je l'emmène dans la montagne, il nous faudra deux gourdes, comme vous voyez, en haut, donc voilà, je vais essayer de faire ça. Par contre, les petites nouveautés, on va commencer tout de suite, les amis, par le nouveau petit bâtiment qui est arrivé dans Medieval Dynasty. Alors, ce qu'on va faire, moi, je vais faire un petit peu le tour. Puisque le bâtiment, je vais aller le construire avec vous, ce sera fait, comme ça vous verrez ce qu'il en est. Alors par contre, j'en ai déjà construit un, mais je vais en construire un deuxième, et je vous expliquerai pourquoi. Alors il va falloir que j'y trouve un emplacement, parce que c'est bien gentil, mais oui, parce que là, il y a pas mal de trucs à récolter, donc il va falloir qu'on puisse récolter ça. Alors j'espère qu'il va pouvoir venir se mettre là. Alors, le nouveau bâtiment, bah, vous le trouvez dans les constructions, bâtiment, agriculture, et vous avez ici l'abri agricole. Voilà, nouveau bâtiment, donc on va essayer de le mettre en place. Je ne sais pas s'il va vouloir, parce que là, j'ai beaucoup de dénivelé, et ça va m'embêter un petit peu. Je vais essayer de trouver un endroit où c'est que ça passe. Ouais, ça passe, je vais le mettre là. Ouais, on va le mettre là, c'est pas grave. Allez, on va se faire comme ça. Hop, on va le construire. Donc, vous prenez le marteau, on y va, il nous faut 8 pierres. J'ai ça dans mon stock, on commence par les pierres. Alors vous voyez aussi une petite nouveauté, vous voyez le vert bleu, voilà, donc ça vous donne à peu près ce qui vous en est. Vous voyez, il manque deux pierres, donc je mets un coup, hop, ça va monter, puis dernier coup, j'aurais fait les fondations. Pour les rondins, c'est pareil, il nous en faut 6, vous voyez, c'est une nouveauté avant, ça changeait de couleur, là vous voyez le vert monte au fur et à mesure, voilà, et là je vais faire la même chose pour l'arrière, donc un rondin. Il me faut des bâtons, donc ça c'est pareil, j'en avais pris, donc vous voyez, hop, ça monte, on sait à peu près où c'est qu'on en est dans le niveau. Alors, c'était un niveau de verre différent, donc là, bah, c'est sympa hein, aussi. Voilà, bah, il tient toujours la forme, hein, notre ami. Alors, on va mettre la paille déjà, je pense qu'il va me manquer un rondin. Ouais, c'est ça, on va finir la paille, je vais aller chercher un rondin, ça tombe bien, je suis juste à côté de... mon entrepôt ici, hop, on va aller chercher le rondin, on n'aura pas besoin d'aller bien loin, ça c'est l'avantage. Hop là, rondin. Allez, j'en prends qu'un, hein. 36. Et comme ça, on aura fini notre deuxième abri agricole, voilà. Alors c'est important, pourquoi? Parce que, on va le mettre ici. Vos ouvriers qui étaient auparavant à la grange, ben ils sont plus à la grange, du moins ceux qui travaillent dans les champs, et ben ils sont plus dans les champs. Donc en fait, pour pouvoir travailler dans les champs, ben, faut les mettre dans cet abri agricole. Oui, ben, je vais le faire tout de suite, hein, on va tout de suite y affecter un gars, en l'occurrence mon ami Frida qui pourrait y aller, hein, puisqu'elle a 18 ans, elle a grimpé. C'est une... Voilà, hop, voilà, l'admire ici. On va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai la possibilité de mettre une deuxième personne, mais je vais le mettre plutôt sur le premier abricole, puisque sur le premier, j'ai qu'un bonhomme, donc du coup, ce serait bien qu'on en ait deux.
Donc on va prendre elle. Alors elle, parce qu'elle vient juste d'avoir 18 ans, donc du coup je pense qu'elle est disponible maintenant. Donc voilà, ça c'est un petit intérêt, ça me fera deux ouvriers agricoles sur ce bâtiment. Alors les ouvriers agricoles, c'est les gens qui vont travailler les champs, hein, bien entendu, qui vont aussi vous récolter dans les vergers, donc ça c'est important. Voilà, qui faut complètement différencier maintenant de la grange, où la grange c'est vraiment que le travail de la grange, vous faites du grain, la nourriture, etc., etc. Donc du coup, bah, il faut que vous réadaptiez un petit peu votre production et puis bah, que vous construisiez bien ces bâtiments. Alors moi j'en ai fait plusieurs parce que comme mon village est étendu, un seul abri agricole ne suffit pas pour aller de partout, hein, sinon j'ai une restriction. Vous voyez, on le voit ici, ou même celui-là, il est encore un peu loin pour aller récolter, c'est pas grave. Je vais le laisser quand même comme ça. Donc voilà, pour ça, du coup, je vais en profiter. Qu'est-ce que j'ai qui va pas? Parce que, oui, endommagé, qu'est-ce qui est endommagé? Ah oui, il y a des bâtiments endommagés, mais ça, on va les réparer. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, puisqu'il faut réparer, on va aller dans les trucs qui vont bien. Voilà, atelier du constructeur. Hop, il va nous réparer l'abri d'excavation. Merci. La cabane de pêche, voilà. Et la grange aussi, voilà, comme ça, toutes les réparations sont lancées, on est tranquille de ce côté-là. Voilà, ça c'est fait, donc ça, ça va se réparer, ça je vais laisser comme ça, continue. L'arche, c'était de la réparation, donc c'est bon aussi. L'agriculture, ben on vient de le faire, donc il y avait une réparation, puis là il nous manquait un petit peu de matière, mais c'est normal, puisque ils doivent faire des graines, ils n'ont pas de quoi faire. Les animaux, tout est ok. La prod... Voilà, alors là forcément il manque toujours des trucs, alors je pense qu'il va me manquer des fils, voilà, parce que j'ai la ressource manquante ici pour faire, j'ai plus de lin, donc là les récoltes vont se faire, donc ça devrait passer, il n'y a pas de problème. Bon voilà, mais en tout cas vous devez voilà réaffecter les bonhommes sous peine, parce que ben vous ne produisez plus rien dans le principe, je vais revenir comme ça, voilà, 43 ouvriers sur 43 c'est bon, 64 population. Ça c'est nickel, voilà, donc ça c'est un des changements, vous voyez, qu'il y a eu avec cette nouvelle mise à jour de Medieval Dynasty. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Alors il y a des nouvelles choses à construire, alors je vais venir ici, nous avons des nouveaux objets, voilà, donc là dans les objets vous avez la possibilité de faire, vous voyez, un bac à compost qui n'existait pas auparavant. Du coup, bah, comme on va être arrivé à une période hivernale, bah, vous pouvez mettre de l'épouvantail, vous pouvez construire aussi un bonhomme de neige. Alors moi je suis pas dans la bonne saison, hein, puisque là je suis sur l'été, donc si je suis dans la saison hiver du jeu, bah, vous pourrez construire un petit bonhomme de neige, vous voyez, un bâton, des pierres, carottes, etc., etc., ou l'épouvantail, qu'on peut faire bah, n'importe quelle saison. On a aussi pas mal de petits coffres qui n'existaient pas, voilà, vous voyez, coffres, tonneaux, des sacs et des paquets. Alors sachant que j'ai même un panier en osier. C'est normalement de la déco, hein. On ne fait rien de particulier, je dirais, là-dessus, donc c'est tout ce qu'il y a au niveau là-dessus. Je peux vous faire voir, ça se récupère, on va aller dans la technologie, alors on va commencer par le puits, je ne sais plus où ils étaient, donc je vais y aller doucement, l'abri à bois, je crois, voilà. Donc dans l'abri à bois, vous devez avoir le tonneau, le coffre, vous voyez, qui vient en plus. Maison, je crois que ça n'a pas changé, ça, on bouge pas, là il n'y avait rien non plus. Alors quand j'y avais rien non plus, oui et non, parce qu'il y a des nouvelles portes que, en termes de déco qu'on peut faire, etc., etc. Je sais même pas, alors prenez un exemple là, des portes, allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici, porte, non, c'est où, la maison, non, voilà, donc vous voyez, porte en latte. Ouais, il faut des planchers, des rondins, vous pouvez mettre une porte un peu différente sur le truc. La maison, j'ai pas tout acheté, ben voyez, ouais, regardez, clôture en planche, je vais l'acheter, et le portail en planche. Ouais, on peut faire aussi des clôtures un peu différentes maintenant. Voilà, ça me permet de le faire avec vous. Voilà, le reste, il n'y en avait pas, d'autres qui ont bougé. Là, j'avais rien pris, là, j'avais rien pris, là, j'avais rien pris, et là... On a terminé aussi, voilà. Au niveau du pavillon de chasse, ben tout ça, enfin de la technologie survie, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y avait rien en plus. Et encore, je suis pas sûr, j'ai quand même vérifié. Non, 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 voilà, j'ai rien. Alors celui-là, j'ai toujours pas débloqué, donc forcément, je n'ai pas les plans. Là,
Ben, ça n'a pas changé, sachant que l'abricole, vous voyez, l'inter-agricole, pardon, il a bien, comme vous avez, 15 points de construction. Ben, forcément, il le faut assez rapidement pour travailler dans les champs. Hein. Voilà, donc ça n'a pas changé. Et ensuite, on a eu quelques changements ici, par contre. Donc, dans les technologies de production. Alors, c'est pas en cuisine, c'est pas en forge non plus. Ce n'est pas en couture, normalement, les amis, du moins pas encore ici. On va aller dans l'atelier 2. Tac, 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 non, rien n'avait pas. Ici, je crois qu'il n'y en avait pas non plus. Et là, il n'y en avait pas non plus. La cuisine, non. État du marché, non. L'atelier, et alors là, il y a une nouveauté. Vous avez, vous voyez, toute cette partie-là, qu'ils appellent les bas-reliefs, serres, colombes, etc. C'est de l'artisanat, c'est de la déco que vous pouvez faire. Vous pouvez le fabriquer avec deux planches. Je fabrique un bas-relief de canard et puis je peux aller l'afficher à l'intérieur de la maison. C'est des planches, j'essaierai d'en faire un. Tiens, on va voir. Pour voir ce que ça donne. Là, j'avais rien en plus. Couture, il n'y avait rien non plus. Et la taverne, je crois qu'on n'avait rien non plus. Voilà, donc, voilà un petit peu les nouvelles choses. Alors, on va faire une tentative. Vous voyez, hop, on va le faire. Je vais chercher tout de suite deux planches. On va récupérer des planches. Où elles sont. Voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas revenu sur le jeu, ça fait plaisir en tout cas. Allez. J'en ai pris deux planches ou j'en ai pris qu'une là. Non, j'en ai bien pris deux. Voilà. Bon, je peux reposer mes pierres. Ma paille. Et oui, j'en ai plus besoin. Je vais poser les seaux. Puis voilà, c'est tout, hein. Je crois que voilà. Du coup, je vais aller faire ce petit bas-relief dans l'atelier. Donc, on va remonter en haut du village. Bon, pas de course. Hop, on va ranger le marteau, on n'en a plus besoin. Voilà, j'ai aussi le héros, vous voyez, qui est en place. Je suis pas allé le voir encore pour savoir ce qu'il voulait. Et je vais surtout aller à l'atelier. Qui est ici, normalement. Voilà, il est là. Pas l'air d'être le seul. Alors, on va lui demander de me laisser bosser. Alors, je suis même pas sûr que j'ai besoin de le faire là. Hein, Marc, tu dis, attendez, j'ai peut-être besoin de le faire directement ici en déco, non? Alors, on va même... on va aller voir. On va les mettre directement dans la maison. On va aller voir. Je vais le mettre ça chez moi. Comment ça marche? Voilà, alors, imaginons, tiens, allez, dormir. Est-ce que je peux. Non. Faire une petite déco là ou pas? Alors, on va prendre le marteau. Voilà, décorer. Alors. Voilà, les bas-reliefs, vous voyez, ils sont là. Donc du coup, je vais faire quoi, moi, un petit bas-relief de quoi? Allez, de serre. Voilà. Toc, ça m'a coûté deux planches, oui, et on a fait la déco, ici. Pas vu là, hein, marqué, hein? Regardez, hop. Voilà. Une petite déco. Ah, voilà, vous pouvez encore décorer un peu plus les maisons avec tous ces bas-reliefs. Vous voyez, lampe de planches. Donc voilà les amis, donc nouveau bâtiment hein, en garde ferme, nouveau meuble, composteur, voilà, quelques meubles aussi de déco, on a vu les coffres, les sacs, etc. etc. Les planches, les nouvelles clôtures, je l'ai fait, nouvelles portes, je l'ai fait. Les reliefs, on en a parlé. Vous avez vu aussi, vous pouvez faire le bonhomme de neige en hiver. Vous pouvez même fabriquer des boules de neige. Alors bon, moi je suis pas en hiver, donc ça va être difficile pour moi de vous faire voir, hein, mais vous pourrez tester ça. Il y a aussi 20 emplacements nouveaux sur la carte, apparemment. Alors, emplacement nouveau, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le principe. Enfin voilà, bah, moi j'ai pas de nouveauté en termes de village, hein, ça c'est clair. Le héros est où d'ailleurs? Ah, il est ici, c'est ça? Ah oui, donc il est à Arnica, si je veux savoir ce que veut le roi. Bien entendu, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des nouvelles animations, voilà, quand les gens ne bossent pas, bon voilà, ça vous aurez l'occasion de les découvrir, hein, voilà, faites attention aussi, le cheval, l'âne peuvent se casser la gueule, peuvent se faire mal, ça aussi c'est une nouveauté, voilà, puis bien sûr, pas mal de petites corrections,
d'ajout aussi de sons dans les champs, dans les cueillettes, les animaux, les bruits, patati, patata, enfin voilà. Il y a quand même de quoi faire, je vous l'accorde, je dirais ici. Alors mon cheval n'est pas là, je voulais aller faire un petit tour, moi, voir le héros du roi, voir ce qu'il voulait. On va faire ça, hein. Je vais appeler mon canasson. Voilà, il revient tranquille, hein. Je sais pas s'il se fait vieux. Tout simplement. Alors j'ai peut-être pas aussi rebougé ma production, moi. C'est vrai que je suis en train de penser, il faut que j'en prenne mes habitudes. Surtout sur l'arboriste, parce que ce brave homme, ou ces braves gens, forcément, voilà, ils ne peuvent pas tout cueillir à toutes les saisons. Hein, voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Donc à cette époque, on a du chardon possible, de la jusquin, de la belladone. Et ben, on va faire ça. Voilà. Ben, c'est parfait ça. Allez, on va même mettre celui-là. Comme ça, ça rééquilibrera les choses pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai besoin de bouger l'été, c'est tout, hein, c'est tout, c'est tout. On espère que ça bosse bien, hein, les agricoles. Ils sont en train de bien récolter ce qu'il faut. On va peut-être jeter un petit coup d'œil. On va peut-être jeter un coup d'œil. S'ils récoltent bien quand même, on va passer par là. Est-ce que ça bosse bien? Ouais, pas de soucis, ça a l'air en tout cas. Ah, ça a rien changé. Ouais, je l'ai fait là-bas, oui, mon deuxième abri agricole, j'y vais y arriver, je l'avais fait par là. Ouais, fallait que je trouve un peu de place parce que avec le dénivelé c'est compliqué après à construire. Mais ça bosse bien, ça récolte, donc c'est parfait. Allez, on va pouvoir aller au village. Alors normalement tout est clôturé. J'ai dû me mettre une petite porte de sortie dans le coin. Elle doit être là. Voilà, hop. Et on y va. Direction Denica. Et on prendra les transports en commun. Ah, en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, c'est pas un petit moment. Très honnêtement, j'avais pas repris le jeu. Puisque j'attendais un petit peu les mises à jour et puis vous faire profiter de ces mises à jour. C'est vrai qu'il n'y avait plus grand chose à vous faire voir, si ce n'est un petit peu du fun et du temps là-dessus. Alors non, je vais passer par là puisque les transports en commun, c'est par là. Qu'est-ce qu'on a ici, la charrette? Allez, on va se mettre là. Et on va partir. Hello. Ouais, j'ai besoin d'aller à Ornica, cher ami. C'est où Ornica? C'est là. Allons-y, c'est parti. Voilà, comme ça on gagne un petit peu de temps. J'ai plus qu'à me rapprocher. Vous voyez que là-bas j'ai mon entrepôt que j'avais construit, souvenez-vous. Ici pour faire du commerce avec le village, pour gagner un petit peu du temps quand j'ai besoin de me déplacer. Et nous on va aller voir ce que veut notre ami, le héros, pour le roi. Essayer de faire cette mission aussi, histoire de gagner encore de la réputation, et puis bah, que le roi soit content de nous, hein, quelque part. Allez, dis-nous ce que tu veux, que souhaite le roi. La peste, ouh, super, alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Des médicaments, des fleurs. Alors, des bouches à nourrir, qu'est-ce qu'il veut? Des filles du roi, donc il y a du fou. Ah, du blé, de l'avoine et du seigle. Ça m'arrange pas trop parce que j'en ai besoin moi aussi, donc on les achètera peut-être, ce sera peut-être plus simple, on va voir. On verra, sachant qu'ici de toute façon je n'ai pas de fabricant de quoi que ce soit, que ce soit de blé ou autre, etc. Donc c'est pas la peine de voir ça ici. Donc je repars. Pas si je vais assez. On va tenter. Tiens, allez, on va tenter. How can I help you? Ouais, je vais aller à Gostovia. Gostovia, allez, 300. Hop, on y va. On va essayer de la faire vite fait. Ça, c'est petit intérêt. Hop. On va aller voir ceux qui vendent des graines. Ou autres. On va voir, c'est du 200 partout.
Voilà, c'est lui. Welcome. Alors, du blé, t'en as 41, je te l'achète. De l'avoine, t'en as 73, je te l'achète. Et il fallait du seigle aussi, est-ce que tu en as? Oui, tu en as 54. Je suis pas sûr d'arriver à tout ce que j'ai besoin, mais c'est pas grave. Merci, je te remercie. On va aller maintenant de l'autre côté. On va aller voir Nadar. Hello there. Ça oui, c'est vraiment bon côté pour gagner du temps. Danar, c'est où? Baranika, Ronika, voilà, Ronika. Hop, merci mon gars. Alors, est-ce qu'ils sont déjà dans les champs? Vous voyez, c'est ça que vous pouvez construire des épouvantails. Par exemple. Allez, ils sont pas encore mis en place. Nadar. Welcome. Oui, welcome. Trade is in my nature. Allez, je te donne ça. Je suis même pas sûr qu'on ait assez de tout ce qu'il a besoin. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire sur une seule saison. C'est avec un mec que 40, ouais, c'est chaud, hein. Voilà, qu'est-ce qui me manquerait là? Ah, il m'en manque du blé, j'en ai 100, il m'en manque 100, la voix, il m'en manque 70 et le seigle. En manque aussi, hein, donc ça va pas être facile. Je vais essayer d'écumer la région. Normalement, il y a aussi un Benica. Je vais pas vous dire de bêtises. Logiquement, il y a aussi le gars qui fait des graines. Hello there. Benica, voilà, c'est parti. Bon, faut avoir un petit peu de thunes, bien entendu, pour voyager. Mais bon, ça se fait, hein. Puis on ira voir ce qu'on a récolté chez nous, ça se trouve, avec ça, on aura vraiment nécessaire. C'est fort. Greetings. Trade is in my nature. Avoine 57, ouais, le blé. 57 aussi, et seigle. 68, hop, hop, ça me donne quoi ça? Donc en avoine 191, en blé 157 et en seigle 162. Bon, nickel. Alors je vais juste, voilà, où puis-je trouver? On va en refaire un, tu voulais dire des vendeurs, agriculture, fermier. Donc il me dit Rolnica, Gostovia, Denica. Donc ouais, il y en a trois, j'ai fait les trois. Donc pas la peine d'aller plus loin. Du coup, on va retourner au village. On reprend éclair. Je pense qu'on va faire des allers-retours, hein, c'est ce qui va nous arriver. Allez, on est reparti, mon petit éclair. Au galop. Ça va pas perdre de temps. Allez, on arrive de ce côté du village. Oh, attention les gamins. Allez, hop, je vais tout de suite aller voir si on a du stock. Ce qui serait bien, vu qu'on est en train de faire des récoltes. Alors, avoine, on n'en a pas en stock. Par contre, on a du blé. Donc le blé, nous en faut 43 apparemment. Si je fais ça, j'en ai 200, parfait. Avoine, il n'y en a toujours pas. Du seigle, est-ce qu'on a là en stock? Non, on n'a pas de seigle en stock. Bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Il faut peut-être attendre qu'il récolte.
Parce que j'ai pas fait attention dans les champs, gestion, voilà. L'avoine, oui, ça se récolte, mais pas tout de suite. Du seigle, ah bah il n'y a rien pour l'instant. On n'a rien en seigle, donc il va falloir que j'attende la saison prochaine si je veux pouvoir faire cette petite mission, si j'ose dire, pour le roi. Je n'aurai pas le choix de ce côté-là. On va aller jeter un petit coup d'œil où c'est qu'ils en sont sur l'avoine. On va remonter par là. C'est par là. Allez. Allez, hop. Et oui, donc ça c'est le lin. Et là ils récoltent quoi? C'était du blé, donc ils sont en train de faire le blé. Donc ils ont fait le blé. L'avoine c'est où? Donc on a dit ça c'était le lin. Ça c'est encore du lin. Ah l'avoine c'était là. Bah ils l'ont récolté ou alors il a pas fini de pousser. Ça doit être ça, hein. Sûrement un truc comme ça, je pense. Ouais, sûrement, sûrement. Et là, c'est quoi? L'avoine aussi, je crois. Ouais, il n'y en a pas. Ouais, et ben, soit ils l'ont récolté. Non, et attends, on va aussi aller voir. Afficher le détail. Ah, il est en croissance, il n'est pas prêt à être récolté, donc je pense qu'il va se récolter la saison prochaine. Donc, phare que j'attende effectivement l'automne, malheureusement, pour avoir ce qu'il faut pour aller voir nos amis du roi. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute manière, là-dessus. Voilà, voilà. Je voulais en profiter aussi. Ce qu'on a, c'est quelle heure? Je regarde un petit peu le temps de la vidéo quand même, pour vous faire une vidéo trop longue. Normalement, j'ai dû aussi. Alors, on pourrait faire comme ça, hein, mais. Mince. Voilà, isolé. Normalement, je suis bon de partout en isolation. Hein. Je vais faire refaire toutes les isolations partout. On va pas avoir de soucis. Normalement, tout le monde est bien isolé. Tous les bâtiments sont isolés. Hein. Je refais le petit tour vite fait. Est-ce qu'on peut faire une... Ah oui, il y a l'isolation. Eh ben voilà, et j'ai pas fait l'isolation des abris de bois. Donc il faut qu'on aille chercher de l'enduit. On va faire ce côté déjà. On terminera avec ça tranquillement, comme ça on sera bien complet là-dessus. Alors hop, on récupère de l'enduit. C'est où l'enduit? Voilà, c'est là, j'en ai 50. Allez, écoutez, je pense pas que j'en ai besoin de 46 000, hein, de l'envergure des bâtiments. On devrait être tranquille. C'est juste l'arrière à faire, hein. Là où il y a du bâton, voilà. Allez, j'en ai besoin de 8, c'est bon. Quoique 8 x 4, 32, hein. Donc j'en aurais pas assez. Ouh, il s'essouffle vite, mon ami Rassimir, elle a perdu l'habitude, là, ou quoi? Bon, allez, hop, on va passer de l'autre côté. Ça va prendre un peu son souffle. On refait le tour du village. Ah. Vous avez oublié celui-là? Oui, c'est bien de refaire le tour des moments, hein, de s'affranchir qu'on a rien oublié, par exemple, encore. Je ne suis pas certain. Alors, je vais être obligé de rentrer pour finir là. Excusez-moi mesdames, je viens juste finir de vous isoler le bâtiment. Voilà, on a les gens qui bossent, hein, et puis les apprentis, hein, qui apprennent. Hein. Souvenez-vous, après un certain âge, vous pouvez les mettre en apprentissage. Faut pas oublier ça. Voilà, donc ça c'est bon, je pense que je suis ok. Après, j'aurai rien oublié. Du coup, je vais aller rechercher de l'enduit parce que, heureusement, c'est juste à côté.
Allez, on manquera combien là? Donc 3 ici et 8, ça fait 11. Voilà. Parfaiti. Ah, par contre, il n'y a pas de différence de couleur là sur le fait de d'isoler un peu, d'améliorer. Comme pour la construction. Voilà, comme ça, on est complet. Je vais quand même refaire un petit tour en bas là, que j'ai pas oublié de trop de choses. Là, ça m'a l'air bon aussi. Les ânes se promènent en toute tranquillité. Voilà. Là, on avait déjà isolé la cabane. Bon, bah, ça me paraît bien. Tu t'occupes, voilà, tu t'occupes des bêtes, c'est bien. C'est parfait, parfait, parfait. Allez, je vais ranger le marteau. Bon, bah, écoutez, voilà, les amis, hein, pour un nouvel petit épisode de Medieval Dynasty. Ça faisait un moment hein, qu'on s'était pas retrouvé là-dessus, donc c'est cool. Voilà, on a profité un petit peu rapidement pour vous expliquer la mise à jour. Voilà, toujours pareil, hein, je vous ai donné les grandes lignes, mais surtout, voilà, le nouveau bâtiment. Bien, pensez bien à réaffecter vos gens sur le travail dans les champs, etc. Nouveaux meubles, nouvelle déco, si vous voulez. Simplement. Et puis ben oui, j'ai la celle de la quête du roi à faire. Et puis celle de mon gamin, à l'appel de la montagne que vous voyez là qui est affichée, où il faut qu'on prépare deux gourdes pour bien partir en expédition. Et je pense que ben ça, les amis, ça fera peut-être l'objet de notre prochaine vidéo, hein, puisqu'on aura quelques petits trucs à faire. On continuera à aller chercher ce qui va bien pour le roi, histoire de valider cette quête. Et puis on fera aussi cette petite aventure. Alors on va d'abord faire la petite aventure parce que il va falloir que je fasse ça demain, si j'ose dire, avec Rassimir et son fils, et on attendra la saison d'après hein, pour le reste. Voilà, je pense que je rien oublié aussi dans mes gens parce qu'il faut quand même faire attention hein, voyez, hop, 13, donc 13 c'est encore trop tôt je crois, on peut pas les mettre en apprentissage. C'est pas possible, voilà. Je crois que c'est 14 hein, là-dessus. Tous ceux qui ont 14, ils sont déjà en poste, vous voyez, ils ont déjà en vert. J'ai la première ici là qui a 18 ans là, qui vient d'arriver. Hein, quelqu'un qui est sûrement né au village en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 12, non, non. Je vérifie, hein, ça va. 15 bientôt là. Super, il est déjà aussi en poste. Il est déjà en poste. Puis c'est tout, hein. 17 c'est en poste aussi. Voilà, surtout que le village commence à entre guillemets à vieillir, hein, parce que regardez, si je fais un petit peu le ratio au niveau des âges, voilà, le plus vieux il a 50 balais, hein, donc bientôt peut-être ne plus être efficace ou autant d'efficace, vous voyez, 40, 40, 40, 40, 40. Voilà, moi je suis où, je suis pas dedans, mais Rassimir aussi commence à prendre un peu d'âge. Bien entendu, et puis ben voilà, ma femme, vous voyez, 35 ans, qui est là, et mon fils, qui est ici à Libère, Adalbert, pardon, voilà, ben, qui vient de 9 ans, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi pour pouvoir jouer avec lui. Je pense que dès l'âge de 14 ans, l'apprentissage, on peut jouer avec lui, mais je suis pas sûr. On aura peut-être l'occasion de le faire, voilà, mais il faut qu'on avance, puisque j'en suis où, moi, d'ailleurs, journal, car, voilà, nous sommes dans la 21e année, ici, de jeu. Notre ami Rassimir, bah, âgé de 38 ans, hein, voilà, ça fait, on commence à 18, hein, donc 18, 36, voilà, donc 21, c'est, voilà, ça va vite, hein, mine de rien. Mine de rien, là-dessus. Voilà, donc on tâchera de faire ce petit truc la prochaine fois ensemble, d'avancer là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire sur un épisode, mais bon, c'est l'idée. Voilà, les nouvelles cartes, à vous de découvrir s'il y a des nouvelles choses aussi. La gestion, je voulais donner un petit peu les éléments qu'il y avait à voir, bien entendu, là-dessus, que c'est que vous trouvez les éléments dans la technologie sur cette mise à jour. Bon, voilà, pour ce petit village, regardez, c'est la nuit, on est prêt bientôt à partir pour le lendemain. Hein. Voilà, la nuit va tomber, les lumières s'allument, les villageois rentrent du boulot. Là, ça a l'air de bien aller. Ils ont l'air
pleine forme, hein, c'est la joie. Voilà. Tout le monde va qui a ses occupations jusqu'au lendemain. Bon, allez, sur ce, c'est là-dessus que moi, je vous quitte. Les amis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, si vous avez été content de retrouver comme moi Racinir pour ces, la suite de ces aventures et cette mise à jour, hein, bien entendu. Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, hein, à cliquer sur l'abonnement. Et puis, n'oubliez pas les petites cloches de notification, ce qui fait que ça vous envoie un petit message lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée sur la chaîne, qu'elle soit de Medieval Dynasty ou sur d'autres séries ou dans d'autres cas. Voilà, allez, sur ce, les amis, j'en profite aussi, bah écoutez, passez un bon Noël, voilà, plein de cadeaux à tout le monde, et que ça se passe au mieux. Super, à vous, à bientôt.